Salut Mathieu, on passe à la brosse! Bon bah, du coup, on se retrouve pour le premier épisode hors série des vlogs et on va goûter les bières. Enfin, je vais vous présenter. Salut, moi c'est Dan. Nos compatriotes alcooliques sont présents. Et on attaque du coup avec, c'est quoi, c'est une brune, ça? Non, c'est fruité. Fruité. Ouais, avec les hibiscus. Dan, tu peux présenter pourquoi il y a beaucoup de bière au Québec, etc. Ben, il y a beaucoup de microbrasseries ici, fait que c'est... ce qu'on boit, on boit de la bière. C'est la tradition. Ouais. Bon, c'est la santé, hein? Au boulot. Santé. Elle est intéressante. Ouais, fruité, puis c'est ça. Hein, tu viens? La couleur est très originale. Oui, c'est ça. C'est un goût de la couleur, hein. C'est spécial. On nous annonce une délicate bière de blé aux arômes floraux et acidulés. Sa couleur rosée provient des fleurs d'hibiscus utilisées durant le brassage. Son nez parfumé rappelle la fraîcheur du pamplemousse. Désaltérante, elle est idéale durant les chaudes journées d'été. Ça tombe mal. On est pendant les longues nuits gelées d'hiver. Ça, j'aime bien, j'aime ça. C'est quand même très épaisse. Et... ça sent bon aussi. Moi, j'aime bien. Elle est bonne. Ouais. Bon, ça a l'air intéressant. Juste la femme dessus qui est extrêmement laide. J'ai dit ça là. L'étiquette est d'une horreur. Ouais, ce n'est pas qu'elle n'était pas très très bon. Je trouvais qu'il y en avait des jolies, mais d'autres non. Ça, c'est une bière noire, brasserie Dunham. Bière non filtrée, non pasteurisée, buvez frais. Parfait. Médaille d'or à un concours canadien en 2013. Ça, vous savez comment me parler. Une belle mousse. Une belle ronde, hein. Sur du sol argileux rocailleux. Un sol argileux rocailleux, tout à fait. Spécial, hein. Et ouais, c'est assez épais. J'aime beaucoup. Mmh. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Il y en a un goût de café. Ah ouais, non, tu petit peu. Petit peu. Ouais, un petit peu. Mais c'est assez l'amertume quand même de la bière cidre comme ça. Hein. Mmh. Mais elle est onctueuse. Ouais. Très sympathique, elle est originale. Ça vaut pas une Guinness. Ah non. Mais c'est différent, c'est différent. Ah, oui. Mais d'une onctuosité, c'est assez étrange. Pour une bière, c'est bizarre. Et l'arrière-goût est pas mal. Ouais. Ah, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est le café. Ouais. Pour les amateurs de café, passer à ça, c'est mieux que café. Commencer la journée à 7h du mat avec. Avec un pack entier de comme ça. Ouais. Avec une Black IPA, je dirais quand même. Je conseillerais quand même pas. C'est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer à boire. Ça, c'est une putain de belle phrase. Yes. À noter, on parlera pas. De nos folles soirées et jeudi soir. Ce qui se passe à Chicoutimi reste à Chicoutimi. Ouais. Bon, on se fait la prochaine. Vas-y. Next. Ouais. Noir aussi. Saint-Ambroise. Elle est moins forte. Ouais. La Saint-Ambroise. C'est beau, ça. Je pense que c'est la Saint-Ambroise qui avait fait gingembre, root beer, puis. Ça sent du monde de riz. Ah, il est pas noir. Oh. Il y en a encore plus noir que là. Je pense pas.
sent meilleur que l'autre. Non, sans meilleur. Pourtant, elle a une couleur plus marron. C'est... Elle est totalement opaque. L'huile de vidange. Oui, c'est bizarre. Tu vois, tu sens quasiment pas. Si, comme un... Ah, vanille. Oh, oui. Non. Oui, on a l'air curieuse. On va y voir. Ouais, beaucoup. Elle est géniale. Elle est excellente. Ah, moi, je préfère extra. Celle-là. Excellente. Ah, ouais, extra. Moins épaisse. Excellent, ça va. Beaucoup plus riche. Chocolat, je crois, en fait, qu'on sent. Là. Peut-être, mais beaucoup plus riche en goût. Ouais. Et beaucoup moins épaisse et moins onctueuse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celle-là? La bière noire à l'avoine Saint-Ambroise se classe régulièrement dans les championnats internationaux de dégustation à l'aveugle et dans les compétitions. Cette bière se caractérise par de fortes notes de café expresso et de chocolat. Voilà, on l'avait. Ouais. L'avoine contribue à lui donner du corps et une longue mousse à saveur de mocha. Si vous aimez les bières fortement houblonnées, vous adorerez la bière noire à l'avoine Saint-Ambroise. C'est vrai qu'elle est bien. Dave, est-ce que tu saurais nous dire quelle relation ont les Québécois avec la bière? Enfin, est-ce que c'est culturel d'en boire souvent ou pourquoi il y a beaucoup de microbrasseries ici? Ouais, pas mal culturel d'en boire souvent. Ça en passe à la brasse. Enfin, il y a une personne qui boit. Et c'est à quelle occasion? Ben, presque toutes les occasions, c'est une bonne occasion, mais surtout à la Saint-Jean. La Saint-Jean, tout le monde s'en va pour se faire impacter. C'est les Lions. Et peut-être que le fait qu'il y ait énormément de microbrasseries, c'est peut-être aussi parce que l'alcool, c'est compliqué au Canada. Ouais. Avec le SAQ et tout ça, c'est peut-être une des raisons. C'est aussi difficile de vendre dans d'autres provinces ta bière. Ton pot à bière que tu fais. Donc elle reste. C'est vraiment localisé. Quoi. Ouais, c'est vraiment localisé. Mais c'est chiant pour ceux qui ont des microbrasseries, là, mais c'est une loi. Après, vu que les gens eux-mêmes consomment beaucoup, c'est pas un gros problème. Non, on en fait. Et puis culturellement, on voit bien que c'est ancré parce que. Il y a de la bière partout. C'est ouais. Ça. Et puis même le supermarché qui est au centre de Chicoutimi fait microbrasserie avec un énorme rayon où il doit y avoir, je sais pas, 100-150 références. Donc, Il y a aussi Molson puis Labatt qui achètent les microbrasseries aussi. Fait que les autres, ils ont ça dans leur collection. C'est vrai que l'aspect effet espresso, rien qu'à l'avoir. Mmh. Ouais. Aussi, c'est plutôt. Par contre, la première gorgée est magique. Ouais. On voit que c'est une bière canadienne. 341 millilitres. Ah bah, les canettes, c'est 35. 355 millilitres. Ouais, c'est ça, 35 centilitres. Oui, mais ça reste 1,25, alors là, 41. Il y a une différence. Ouais, chez nous, les canettes, c'est 33 centilitres. Ici, c'est 35. Ok. Et ça, bah, c'est pareil, c'est du. Soit 33, soit 50, je crois. C'est ça. 25 des fois, 25.